Bonjour à tous, nous sommes à Monastier-sur-Gazeille. On y trouve entre autres un château typique de la région, une remarquable église avec un monastère et de réputés chemins de randonnée. Mais la visite la plus atypique, c'est celle d'une ancienne école organisée de manière très originale. Voici le résumé de cette expérience telle que nous l'avons vécue. Après avoir revêtu la blouse, le béret et les sabots d'époque, la cloche annonce l'heure de l'entrée en classe. On rentre deux par deux ? D'accord ? On va commencer par copier ce qui est écrit au tableau, dans ce cadre bleu, voyez ? Alors, dans la marge, ici, vous avez le trait rouge qui désigne la marge. Vous pouvez écrire votre prénom. Alors, c'est bon? Tout le monde a fini d'écrire? Moi, je veux écrire d'autres choses. Quelle était la première leçon de la journée? C'était la leçon de morale. La cigale et la fourmi. La cigale, virgule. Ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvu quand la bise fut venue. Montez sur l'estrade si vous voulez. Voilà. On leur fait un ouah, ces garçons. Frère Jacques, dormez-vous, sonnez les matines, ding-dang-dang. On va vous applaudir. C'était pas mal. Allez, on peut faire un ouh à ces filles. Hein. Ouh. 1, 2, 3. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot. Tout chaud. Oh, bravo les filles. Hein. La cigale et la fourmi. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Voilà, bravo. Merci. Après cette immersion dans le passé, nous avons rencontré le maître qui nous parle de sa démarche. Un peu pour l'alcool, étonnamment, maintenant c'est interdit, et puis un petit peu d'humour au passage. Ce buvard boit bien l'encre, moi je préfère une Marie-Brizard. Et ce buvard boit n'importe quelle encre, mais papa ne boit que du Cointreau. Fabriquer son encre avec un tube de poudre, il y a du rouge pour la maîtresse, hein, du coup. Hein. Et puis le violet, c'est l'encre de l'école, l'encre violette. Alors c'est un tube de poudre qui suffit pour fabriquer un litre. Donc violette. Ils n'ont pas trouvé quoi faire de cette école, et c'est pour ça qu'elle s'est retrouvée en vente sur le Bon Coin. Et nous, ben, ça nous a donné une envie, hein, ça nous a inspiré. Un bâtiment comme ça, c'est quand même pas banal. C'est pas tous les jours qu'il y en a sur le Bon Coin. Hein. Donc quand on voit ce bâtiment, eh ben, on aurait pu partir en courant et dire c'est pas pour nous, à notre âge. Mais ma femme est guide conférencière aussi, hein, donc pour une fois, elle s'est dit je vais guider notre propre bâtiment au lieu de guider dans les châteaux et dans les églises. Donc ça sera notre lieu de visite, notre propre lieu de visite qu'on pourra animer et guider comme on l'entend. Voilà, donc on a eu l'idée hein, immédiatement, hein, sinon on l'aurait pas acheté. Et puisque c'était une école, on va la faire revivre en école, en fait, redonner sa vie, réveiller l'histoire. Alors, comme je vous l'ai peut-être déjà dit, ben, il n'y avait rien dans l'école. On l'avait vidé depuis plus de 40 ans. Il n'y avait pas un livre, pas un bureau, pas une carte. Donc, il fallait remplir tout ce que vous avez vu. Il y a quand même 500 cartes ou affiches, hein, 150 bureaux, des 20 000 livres, hein, des millions de petits objets, on peut dire des millions, je crois, si on comptait les plumes une par une, hein, ou les porte-plumes ou les crayons, ça ferait beaucoup d'objets.
Donc l'école a été remplie à nouveau en un an, et le musée existe donc depuis 9 ans. Des musées de l'école, il y en a d'autres, un peu sont animés d'ailleurs, mais ça change tout évidemment, parce qu'il faut que les visiteurs... Ici, je dis généralement qu'on joue à l'école, nous on joue le maître ou la maîtresse, hein, et puis les visiteurs, ben, ils jouent les élèves, hein, c'est ce que vous venez de faire. Pour entrer dans le jeu, ben, c'est encore mieux de se mettre dans les lieux de l'époque, on va dire, se mettre en tenue d'écolier, tout authentique, et du coup, ben, on replonge en arrière. C'est très touchant et c'est émouvant pour beaucoup de visiteurs adultes, hein, parce qu'ils font un plongeon des dizaines d'années en arrière, ça dépend de son âge. Et pour les jeunes, c'est un autre monde, ils découvrent tout. Alors, c'est pas du tout la même approche, mais ils aiment bien, hein. Ils disent qu'ils se déguisent au lieu de se mettre en tenue. Ils adorent écrire à la plume, pour eux c'est un défi, parce que c'est difficile pour eux. Et ils y arrivent pas bien, évidemment, ils font des tâches, des ratures, mais ça leur plaît. C'est un challenge, on dirait aujourd'hui.